tu n'iras pas avec les témoignages des autres. Alléluia. Tes pieds ont été troués à cause de moi. Parce que lorsque je vais marcher comme un lépreux, les démons vont commencer à fuir. Amen. Vous savez pourquoi? Dieu va opérer un miracle. Amen. Quand les lépreux vont être guéris, Élisée va dire, les lépreux, quand ils sont rentrés en Samarie, quand ils marchaient, les lépreux, quand ils marchent, de l'autre côté là-bas, ils ont entendu le bruit des chats. Alléluia. Amen. Ça veut dire, ils m'ont dit que je ne marcherai pas. La tête tombait. Mais moi, je vais marcher. Amen. Et dans les camps de l'ennemi, ils vont sentir la confusion. Amen. Ils vont stérile plus plus. D'ailleurs, les deux trompes sont coupées. Ils ont séchonné les ovaires. Ils ont dit, je ne peux pas respirer parce que mes poumons sont détruits. Mais moi, je sais que tu es les médecins, les médecins, je vois ma femme. Tu fais les opérations sans cicatrice. Les premiers anesthésistes, les premiers chirurgiens du monde. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. On t'a condamné, emprisonné. Mais je sais. Non, alléluia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Tu m'as donné la clé de ta vie. Non, alléluia. Dieu t'a fait poser une clé. Qui va ouvrir? Qui va ouvrir? Tu as été emprisonné. Mais j'ai dit que c'est m'a libéré. Pourquoi? Écoutez, Pierre était dans la prison. Oh, alléluia. Il va être tué le lendemain matin. Il va être tué le lendemain matin. Alléluia. Mais la Bible dit, pendant la nuit, rabat la sainte à corps au gros de chèque. Quand nous sommes devant le sanctuaire de Dieu, Dieu dépasse les anges. Oh, nous les sommes communément avec vous et les anges sont à notre service. Amen. Dieu a dépassé un ange. Non, alléluia. L'ange n'a pas besoin de portes. Même les portes sont fermées, lui il arrive. Avec un pied tombé, la Bible dit, Pierre, élève-toi. Avec un pied, les chaînes sont tombées. C'est lui-même si on t'avait enchaîné sous l'eau avec un gros cadenas. L'ange de Dieu apparaît maintenant. Parce que tu as dit, souviens-toi de moi. Amen. Il se souvient de son image et de sa ressemblance. Amen. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Tu sors de la prison, mon frère. Amen. J'ai été emprisonné à la prison centrale. Dieu ne baisse un ange. Amen. La Bible dit, Christ va dire ceci aujourd'hui. Maman mère, maman mère. Il dit pas demain, mais aujourd'hui. Non, alléluia. Amen. Les choses que je vous dis, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Maman Rosita, les choses que je te dis là, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de paradis, oh, maman Nangaï, vous voyez, je répète. Amen. Dans le langage pastoral, le paradis n'est que le repos. Amen. Hein? Amen. 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 Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai quoi? Les réponses. Alléluia. Alors les gens disparaissent. Tu es accablé du problème. Il va te libérer et tu seras dans la paix, dans la joie. Amen. Non, alléluia. Amen. My God. Quand nous allons prier,
Même si ton mari a un problème spirituel, même si, je te dis, il dira un mot. Oh, je sens la puissance de Dieu. Amen. Je serai avec toi dans le paradis. Amen. Le paradis, c'est le repos de Dieu. Amen. Ça veut dire que tu seras dans le repos. Dieu va te faire entrer dans le repos. Après avoir travaillé, tu as tellement souffert. Dieu va te reposer. Amen. Ça veut dire que les choses viendront d'elles-mêmes. Amen. Tu ne forceras plus. Amen. Tu ne chercheras plus. Amen. Mais les choses viendront d'elles-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses viendront d'elles-mêmes. Amen. Parce que tu es rentré dans le repos de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Car il n'y a plus de condamnation. Amen. À ceux qui sont en Jésus. Amen. Ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Amen. Mais lui n'est pas venu nous condamner. Non, alléluia. Amen. Il est venu nous sauver. Nous sauver. Non, venu que j'ai dit que c'est venu nous sauver aujourd'hui. Amen. Non, alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Amen. Jésus. Qui t'a condamné? Alléluia. Amen. Qui t'a condamné? Nous allons prier les bien-aimés. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Je vois l'excellence. Tu sais qu'il faut le vouloir. Oh my God.